Mardi dernier, un tremblement de terre a surpris les habitants de la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. La secousse de magnitude 6 a provoqué quelques dégâts matériels, mais aucune victime. Mardi dernier, un tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la région de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. D'après le centre de sismologie chinois, le séisme a frappé la zone frontalière entre les cantons Jining et Tokustara. Jusqu'à présent, aucune victime n'est à déplorer. Selon l'administration sismique de Chine, le tremblement de terre a dû causer d'importants dégâts et la population des cantons voisins a dû également ressentir la terre trembler fortement. Nous nous levions lorsque la terre a tremblé. Notre maison a été violemment ébranlée. J'ai immédiatement attrapé mes enfants et nous sommes sortis rapidement. Nos moutons s'étaient rassemblés autour de la bergerie et notre chien a hurlé pendant un moment. Le Xinjiang n'a pas été la seule région à trembler. Un autre séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a eu le même jour, touchant les provinces de Sichuan et Gansu. Aucune victime n'a été signalée.